Bon ben voilà, on arrive dans la zone perturbée. Bon, ils repassent parfois sur les dégâts qu'ils font. Et ici, par exemple, c'est une plaque qui était faite l'année dernière. C'est noir. Là, ouais. Bon, il y a plusieurs prés qui sont touchés comme ça. Mais c'est ciblé, on ne sait pas pourquoi, moi je ne comprends pas. Souvent les mêmes parcelles. Chaque année, les mêmes parcelles. Ouais, plus ou moins. Ouais. Quand quelqu'un se plaint, il y a des dégâts, il faut les prendre en compte parce que c'est quand même quelqu'un qui a un préjudice. Hein, donc pour lui, c'est important. Pour nous, ce qui est important, c'est avant tout de miser sur la concertation. Et puis ensuite, il faut trouver ensemble des solutions avec toutes les parties prenantes, hein, notamment dans ce cas-là, avec des agriculteurs, avec des éleveurs si c'est le cas. Ensemble, et avec nous, la fédération, donc arriver à trouver des solutions pour gérer ces dégâts. Bon, sur la parcelle qu'on voit là, moi cet été, bon, là maintenant elles mangent ce qu'elles peuvent, on les laisse gratouiller. Et au mois de mai-juin, on va labourer, semer. Mais quand elles reviendront, elles ne pourront pas le manger. Donc je perds l'herbe de maintenant, je perds l'herbe de la fenaison, je perds l'herbe de l'automne et ça viendra que l'année prochaine. Le sanglier, malheureusement ou heureusement, il est omnivore, donc il est capable de s'adapter à toutes les situations. Quand il a besoin d'un complément alimentaire ou dès que les prairies sont favorables, c'est-à-dire après une période de dégel, bien pour lui c'est plus facile d'aller consommer sur une prairie que de chercher des fruits forestiers. Donc effectivement, il va aller sur ces prairies si elles sont accessibles et si elles ne sont pas protégées. Pour le moment, c'est notre bête noire. Bon, avant, on vivait bien avec elle, avec cette bête noire, parce que c'était pas trop... Mais apparemment, la population a explosé, je ne sais pas quand ni comment. Et nous, il nous semble que les chasseurs ne sont pas arrivés à réguler. On a toujours vécu avec, on vit ensemble, on est sur la même planète, mais là, apparemment, la régulation ne s'est pas faite. L'Office national des forêts a planté, donc, après-guerre, pas loin de 7000 hectares sur la commune. Donc ces forêts donc, ont grandi. Et c'est vrai que donc, c'est des zones vraiment où le sanglier trouve un biotope idéal. Quoi, hein. Oui, je suis au courant des dégâts. De toute façon, en suivant tout le stock de batteries qu'on a dans la Fédé, on voit où partent les batteries sur les différents secteurs du département. Une fois que les batteries ont été utilisées par les exploitants agricoles ou par des particuliers, si les batteries nous sont rendues non chargées, moi je vérifie la batterie, si vous voulez. S'il y a de l'eau déminéralisée à l'intérieur de la batterie, s'il en manque, j'en rajoute, je vérifie son voltage, si elle est chargée ou pas chargée. Si elle n'est pas chargée, je la mets de côté, comme on peut les voir ici sur les palettes. Et chaque jour, je recharge les batteries grâce à la Sorbonne qu'on a au local qui est à côté. On est sur des prairies qui ont été favorables pour les dégâts juste après le dégel, c'est-à-dire tant qu'elles étaient gelées pendant tout l'hiver, elles n'étaient pas accessibles puisque les sangliers sont obligés de retourner la terre, donc quand elle est gelée, c'est pas possible. Par contre, dès le printemps, dès que ces prairies dégèlent, dès la fin du mois de février, début mars, dès qu'elles sont en condition, effectivement, pour eux, c'est plus facile de venir retourner une prairie pour venir chercher des larves. C'est plus facile qu'aller consommer des glands ou des châtaignes ou des faines dans un mois. La chasse pour nous est une passion, on va dire, dévorante. Hein. Nous y consacrons beaucoup de temps, presque des fois trop. Mais bon, on se rend compte que malgré le temps, l'énergie, les moyens que l'on dépense, bon, on a toujours ces problèmes récurrents de dégâts. Quoi, hein. Donc il faut peut-être réfléchir à être plus efficace et avoir des solutions au niveau préventif. Parce que c'est vrai que je pense qu'actuellement, c'est au niveau de la prévention que l'on pêche. Et la population des éleveurs est aussi composée de chasseurs, donc au moins à 50%, si pas 60%. C'est vrai que c'est l'exaspération, parce que c'est quand même le fruit d'un boulot qui est chaque fois remis en cause, chaque fois. D'une part, bon, c'est un peu démotivant. Moi, au début, quand je venais ici, j'avais une boule à l'estomac. C'est un gars qui travaille à l'ordinateur. Si tous les jours, je lui effaçais son disque dur, à force, il les a comme ça. Tout le monde me comprend. Maintenant, c'est l'époque de l'informatique. Donc, nous, c'est ça. Et puis, économiquement, bon, moi, je n'ai pas le rendement de ce que j'ai investi dans mes terres. Donc, sur la reconquête, sur le semis, tout ça, c'était semé. C'est foutu, c'est à ressemer, mais personne ne me le paiera. Donc, c'est à prendre sur mes retraits personnels, sur l'exploitation. Et déjà, on est tous super en équilibre, malgré que la grosse devise soit à vous, les agriculteurs, et vos primes. Mais les primes, c'est en compensation du manque à gagner sur le prix de la viande. Donc on ne gagne pas plus qu'avant. Mais par contre, là, on commence à perdre plus. Donc c'est qu'on, tout ce qu'on donne, on doit remettre en cause pour les sangliers, on ne peut pas le retirer personnellement pour la famille, pour les besoins quotidiens. Donc le BE, là, l'excédent brut d'élevage, il s'en ressemble. Ça peut passer par la protection des cultures,
Hein, donc la pose de clôture, la mise en place de répulsifs, on a ça à la fédération qu'on tient à disposition du monde agricole. Ça peut passer par une régulation des populations, hein, réellement. Hein, donc soit pendant la période de chasse, et si ça ne suffit pas, donc avec une prolongation de chasse ou une période anticipée d'ouverture, si ça ne suffit pas, ensuite on peut intervenir avec des battues administratives, notamment dans le cadre du sanglier. Donc la mise en place de battues administratives hors période de chasse, qui peuvent permettre soit de prolonger ce qui a été fait pendant la période de chasse, c'est-à-dire de prélever plus d'animaux, soit à un moment donné aussi, tout en prélevant, délocaliser aussi des animaux qui sont mal placés et qui sont source de dégâts.